Distingués invités, représentants des différents paliers de gouvernement, partenaires du Comité de gestion nationale en petite enfance, professionnels du secteur de la petite enfance francophone de toutes les provinces et territoires, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition du Symposium national en petite enfance. Je m'appelle Gabriel Robichaud et au nom de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, l'ACUFC, j'aurai le plaisir de vous accompagner virtuellement dans cet événement pan-canadien jusqu'à jeudi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner que je vous parle depuis le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqué, Malécite, et des Mi'kmaq, et que l'équipe de l'ACUFC se trouve à Ottawa, sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Étant donné que nous sommes toutes et tous à des endroits différents aujourd'hui, je vous invite à prendre quelques instants pour reconnaître que tous les jours, nous vivons, travaillons et créons sur les territoires traditionnels et sur les terres natales des Premières Nations, des peuples Inuits et Métis. Pour ma part, j'animerai le symposium à partir de la grande région de Moncton, où j'ai grandi. Je me sens d'ailleurs très privilégié d'avoir la chance d'animer ce symposium. Comme jeune papa d'un garçon de 20 mois, bientôt 21, ayant vécu les défis de trouver une garderie en français, comme francophone ayant grandi en milieu minoritaire et qui constate la chance qu'il a eue de bénéficier de services de qualité en français toute sa vie, comme citoyen qui constate que ces mots « chance de bénéficier » dans un pays bilingue sont problématiques, comme personne ayant voyagé dans bon nombre des communautés francophones au pays et entendu parler des défis quand il y a le temps de parler de services en français, je me rends compte à la fois de l'importance de l'environnement dans lequel j'ai grandi et combien je souhaite à tout citoyen francophone de ce pays de bénéficier au moins des mêmes occasions que j'ai eues, sinon mieux. Merci de me permettre d'être témoin du travail crucial qui se fait en coulisses pour continuer de faire cheminer nos citoyens d'aujourd'hui et de demain. Cette deuxième édition du symposium permettra de reconnaître l'apport essentiel des travailleuses et travailleurs francophones du secteur de la petite enfance dans le développement langagier, social et identitaire des tout-petits, mais aussi de l'importance de ce secteur pour la vitalité de nos communautés. Nous sommes plus de 136 pour être exact, réunis aujourd'hui par l'entremise de cet événement national et j'ai franchement le sentiment que nous sommes toutes et tous sur la même longueur d'onde. La petite enfance, c'est la base et il faut qu'elle soit solide. Nos trois jours d'atelier sous les thématiques de la valorisation de la profession, de la formation du personnel et du renforcement du secteur de la petite enfance vont permettre d'abonder dans ce sens. Plus d'une trentaine de panélistes aborderont des sujets brûlants d'actualité, comme les conditions de travail des éducateurs et éducatrices, des éducatrices et éducateurs, la reconnaissance de l'expertise unique de ces spécialistes de la petite enfance, le recrutement et la rétention des ressources humaines, l'intégration des personnes formées à l'étranger, la promotion des programmes d'études ou encore la mixité en éducation à la petite enfance. À cette programmation s'ajoute une activité d'ouverture tout de suite après les mots de bienvenue, qui vous fera voyager dans deux univers parallèles, celui des contes de fées et celui de la petite enfance. De plus, jeudi, à 11h45, heure normale de l'Est, nous présenterons une conférence sur un sujet qui touche plusieurs intervenantes et intervenants du secteur de la petite enfance, le stress. La conférencière, chercheure et auteure Sonia Lupien abordera les façons de mieux contrôler notre réponse au stress, notamment par technique de déconstruction du stress. Soyez-y et parlez-en à vos collègues, c'est jeudi. C'est emballant de savoir que nous allons traiter de tous ces sujets, de leurs enjeux, de nos priorités et surtout de nos meilleures pratiques. Ce symposium, c'est le vôtre. Soyez actifs, participez de diverses façons, en clavardant, en posant vos questions ou même en diffusant sur les médias sociaux. J'en profite d'ailleurs tout de suite pour vous partager le mot clic du symposium, hashtag ou dièse, symposium petite enfance, P majuscule, E majuscule. Donc, hashtag symposium petite enfance avec le P de petite et le E de enfance majuscule. Et je vous encourage à partager votre présence à ce symposium virtuel sur tous les réseaux sociaux.
À mon tour maintenant de céder la parole à la présidente directrice générale de l'ACUFC, Mme Lynn Brouillette. Mme Brouillette ne peut pas être avec nous cette semaine puisqu'elle participe au nom de l'ACUFC à la délégation canadienne qui participe présentement au sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Mais elle tenait à vous souhaiter officiellement la bienvenue grâce à la magie de la technologie. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, je suis ravie d'ouvrir ce deuxième symposium national en petite enfance consacré à la valorisation de la formation et de la profession d'éducatrice et d'éducateur de la petite enfance. Pendant les trois prochains jours, vos discussions permettront de reconnaître l'engagement et l'expertise des professionnels de la petite enfance et leur apport essentiel à la vitalité de nos communautés. Elles contribueront à mettre en lumière l'importance de l'accès à la formation initiale en éducation à la petite enfance et au perfectionnement professionnel en français afin d'offrir des services de qualité aux familles partout au pays. Vous accorderez une attention particulière à l'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger et à la reconnaissance de leurs acquis. Enfin, vos échanges offriront un éclairage unique sur le renforcement du secteur de la petite enfance par le biais du recrutement de ressources humaines qualifiées, de la mixité en éducation à la petite enfance et de la création de réseaux et d'espaces d'échange. Je n'ai aucun doute que toutes les réflexions que suscitera cette programmation très riche contribueront à nourrir nos approches communes sur la consolidation du continuum de l'éducation en langue française en contexte francophone minoritaire, une vision si chère à tous les acteurs du milieu. Pour conclure, permettez-moi de reconnaître le soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Emploi et Développement social Canada qui nous a permis non seulement d'organiser cet événement, mais aussi de déployer, depuis 2 ans maintenant, dans nos communautés francophones en situation minoritaire, des initiatives de formation et de renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance qui font la différence. Je voudrais également remercier les membres du Comité de gestion nationale en petite enfance, la Commission nationale des parents francophones, le Réseau du développement économique et d'employabilité Canada, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la Société santé en français pour leur collaboration et leur engagement continu dans la mise en œuvre de notre stratégie nationale commune en petite enfance. À tous les intervenants qui ont accepté d'apporter leur contribution à ces 3 journées, merci pour votre présence et pour votre participation. À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent symposium. Merci beaucoup, Mme Brouillette. C'est vrai que dans un contexte de pénurie de personnel qualifié, la valorisation de la profession devient capitale. Bonne suite au sommet de la francophonie à Djerba. Comme Mme Brouillette vient de le mentionner, ce symposium est rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada. Je vais donc maintenant céder l'écran à l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, qui tenait à nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir vous faire parvenir ces quelques mots aujourd'hui. Je tiens à remercier l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne de cette belle invitation. Et à vous toutes et tous qui participez à ce deuxième symposium national en petite enfance, je vous remercie de votre engagement et de votre dévouement. Vous êtes la preuve que c'est possible d'offrir des services de garde de qualité en français partout au Canada. C'est possible, mais parfois difficile. Le gouvernement du Canada est bien conscient des défis auxquels vous devez faire face, comme le recrutement, la formation et la rétention des éducatrices et éducateurs. Le nombre de places disponibles en garderie francophone dans les communautés en situation minoritaire continue d'être un grand défi. La demande augmente partout au pays et nous voyons bien tout le travail que vous accomplissez pour y répondre. Mais nous sommes aussi bien conscients qu'il reste beaucoup à faire. Entre autres, et comme le veut le thème de ce symposium, il faut valoriser, former et renforcer la profession. Votre travail a une influence profonde sur le développement des enfants, y compris sur leurs compétences linguistiques et leur identité. Vous marquez une empreinte dans leur parcours de vie.
et par conséquent de notre société. Vous avez un impact direct sur l'avenir des communautés francophones en situation minoritaire en préparant les générations futures à y participer pleinement et assurer ainsi leur vitalité. C'est pourquoi nous collaborons avec les provinces et les territoires, les experts et, bien sûr, les communautés de langue officielle en situation minoritaire. C'est une priorité pour nous de répondre aux besoins des familles qui y vivent, mais aussi aux besoins des personnes qui y travaillent, comme vous. Les investissements fédéraux fournis dans le cadre des accords bilatéraux sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada avec les provinces et les territoires adressent les besoins uniques des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Par exemple, le Manitoba traduira 3 modules supplémentaires en français pour atteindre l'objectif de 50% des établissements francophones de la province pouvant accéder au manuel vivant du Manitoba via le portail Accès Manitoba. L'Île-du-Prince-Édouard offrira des subventions de formation aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance représentant les communautés de langue officielle en situation minoritaire qui poursuivent leurs études postsecondaires et travaillent à l'obtention d'un diplôme. De plus, dans le cadre du plan d'action pour les langues officielles 2018 à 2023, 20 millions de dollars sont destinés aux initiatives de développement de la petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. Emploi et développement social Canada a octroyé 13,5 millions de dollars à l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne qui, avec ses partenaires, soutient les opportunités de développement professionnel et de formation pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance francophone. 6,85 millions ont aussi été octroyés au réseau de développement économique et d'employabilité pour soutenir les entrepreneurs dans la mise en place d'un plus grand nombre de garderies et de services de garde francophones à travers le pays. Nous reconnaissons que les programmes éducatifs pour la petite enfance et les services de garde francophones doivent répondre pleinement aux besoins de chaque enfant, et nous travaillons en ce sens. Soyez assurés que le gouvernement du Canada va continuer d'appuyer des services de garde de qualité dans les communautés francophones en situation minoritaire partout au Canada. Les éducatrices et éducateurs sont au cœur du système de garde et nous comptons aussi continuer à appuyer votre travail pour que chaque enfant au Canada puisse avoir le meilleur départ possible dans la vie. Merci. Merci, Madame la ministre, d'avoir pris le temps de préparer ce message. Et merci aussi à l'équipe d'Emploi et Développement social Canada pour tout son soutien envers la CUFC. La CUFC est aussi bien entourée dans l'organisation de ce symposium. Elle collabore avec les partenaires nationaux qui ont été nommés dans le discours de Madame Brouillette. Et, avec leur aide, nous vous avons concocté une petite vidéo. Si je vous demandais pourquoi est-ce important de valoriser la formation et la profession des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance en contexte francophone minoritaire? Bien, c'est la question à laquelle ont répondu les directrices générales de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, la CUFC, la Commission nationale des parents francophones, la CNPF, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la FNCSF, et le Réseau de développement économique et d'employabilité du Canada, le RDEE Canada, ainsi que la Société Santé en français. Pour une minorité linguistique, disposer d'un continuum complet de l'éducation est essentiel pour assurer la transmission de la langue et de la culture aux jeunes générations. Nos collèges et universités sont reconnus comme des maillons essentiels du continuum de l'éducation en français et de la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Ils veillent à ce que des milieux de vie fleurissent en français par la formation de professionnels, dont les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance. Ces professionnels contribuent grandement à garantir à tous les enfants dont les parents le souhaitent la possibilité de fréquenter un service de garde francophone.
Il va sans dire que leur profession est cruciale pour l'avenir de notre société. Elle se doit donc d'être reconnue à sa juste valeur. Nous pensons qu'une formation de qualité en éducation à la petite enfance ainsi qu'une valorisation accrue de la profession sont essentielles au recrutement et à la rétention du personnel. En 2 ans, notre projet « Formation et renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance » a permis, grâce à des collaborations intersectorielles, d'améliorer l'offre et l'accès à des formations initiales et continues en français. Nous devons continuer dans ce sens pour assurer une offre de services en petite enfance de qualité en français, pour contribuer à diminuer les listes d'attente dans les services de garde de nos communautés et pour renforcer tout le secteur de la petite enfance. Pour les parents qui choisissent de faire une place au français dans leur vie, on sait à quel point les services de petite enfance francophone de qualité sont essentiels. La demande des parents est même plus grande que l'offre. On a besoin à la fois de maintenir et consolider ce qu'on a, tout en continuant d'augmenter l'accès avec plus de professionnels formés en français. Ensemble, il faut trouver rapidement des solutions pour garder et recruter nos ressources humaines si précieuses. La valorisation passe par la mise en place de conditions de travail améliorées en accord avec le rôle fondamental joué par les professionnels du domaine. Pour les francophones, la valorisation passe aussi par la reconnaissance de nos professionnels comme des passeurs culturels qui ont une expertise unique pour accompagner les enfants dans leur construction identitaire. Le Réseau des parents francophones vous remercie pour votre passion et pour tout ce que vous faites pour les enfants et la francophonie. La formation des éducatrices et éducateurs est fondamentale. En francophonie, on veut miser sur des services en développement de la petite enfance où l'on privilégie l'apprentissage par le jeu, dans un environnement culturel riche, stimulant et favorable à la construction identitaire des tout-petits. Les services en développement de la petite enfance se doivent d'être de qualité pour pouvoir bien accompagner les petits et leurs familles. Il faut donc que le personnel soit bien formé, car la petite enfance est l'assise du continuum éducatif. Il faut investir pour offrir un bon départ aux petits francophones. La formation est l'une des deux faces de la même médaille, l'autre étant la valorisation de la profession. Et celle-ci passe d'abord par des salaires qui reconnaissent la formation des éducatrices et des éducateurs. Il est temps que soit reconnu le rôle crucial que jouent ces travailleurs et ces travailleuses dans le développement des petits et pour appuyer la présence des femmes sur le marché du travail. La valorisation de la profession d'éducatrice et d'éducateur en petite enfance est essentielle pour résorber la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur et favoriser l'émergence d'initiatives entrepreneuriales en petite enfance dans les communautés francophones en situation minoritaire. Cette valorisation devrait s'articuler sur les 3 principaux axes suivants. Offrir des formations de qualité aux professionnels de la petite enfance. Ces formations devraient répondre aux besoins du terrain tout en incluant des aspects entrepreneuriaux afin d'attirer plus de jeunes vers cette profession. Améliorer les conditions de travail des professionnels de la petite enfance en offrant des salaires et des avantages sociaux concurrentiels. Et enfin, reconnaître l'importance de la profession d'éducatrice et éducateur en petite enfance qui constitue le socle du cursus d'apprentissage et permet de bâtir une identité francophone chez les tout-petits issus des communautés francophones en situation minoritaire. Il est donc important de continuer à investir dans la formation des éducatrices et éducateurs et dans l'entrepreneuriat en petite enfance afin de créer de nouvelles places dans les communautés francophones en situation minoritaire, mais aussi de résorber la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur. C'est essentiel d'avoir au sein de nos communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire des éducatrices et des éducateurs ayant reçu une formation initiale sur les différentes étapes du développement de l'enfant. L'accès à ces connaissances fondamentales leur permet de répondre de manière adaptée, en français, aux besoins cognitifs, sociaux, émotionnels et physiques des tout-petits. Les éducatrices et les éducateurs jouent ainsi un rôle clé pour aider les enfants à atteindre, durant leurs premières années, leur plein potentiel, et ce, en bonne santé physique et mentale.
C'est important aussi de reconnaître que la formation et le soutien de la profession se poursuivent tout au long du parcours professionnel pour assurer des prestations de qualité en matière de santé, de sécurité et de bien-être des enfants. L'acquisition perpétuelle de nouvelles connaissances et le développement d'habiletés et de compétences qui sont liées à la santé des enfants démontrent l'importance de valoriser les efforts continus adoptés par la profession. Les professionnels de l'éducation à l'enfance jouent également un rôle charnière dans la prévention, la sensibilisation et la promotion de la santé des petits auprès des parents et des familles. On parle donc de développement de saines habitudes alimentaires, de bonnes pratiques sur la toilette, de vaccination, du dépistage précoce et de la santé mentale. C'est donc primordial de reconnaître socialement l'importance de la profession. Bon symposium! Bon symposium! Bon symposium! Bon symposium! Bon symposium! Bon symposium! Eh bien, voilà. Je pense que cette vidéo vient de mettre la table. Ça donne le goût de plonger dès maintenant dans les ateliers qu'on vous a préparés. Ceci dit, juste avant, pour vous aider à vous rendre aux ateliers, mais aussi à participer activement aux discussions, permettez-moi de prendre deux petites minutes pour vous présenter la formidable plateforme virtuelle sur laquelle nous allons passer ensemble les trois prochains jours. Donc, quatre petites choses pour vous aider. Premièrement, cet espace virtuel est sécuritaire. Donc, vous pouvez partager vos commentaires, poser vos questions en toute sécurité. Ensuite, en deuxième lieu, je vous invite et je vous encourage fortement à créer et compléter votre profil. Comme nous sommes en virtuel, c'est la seule façon de vous identifier, de vous retrouver et de communiquer entre vous. Pour créer votre profil, vous pouvez aller en haut à droite. Là, je pense que c'est mieux si je fais ça là, avec la caméra, je ne sais plus. Bref, en haut à droite de votre écran, cliquez sur l'icône de la personne à l'intérieur du cercle et c'est là que vous pouvez ajouter une photo ainsi que votre titre. En troisième lieu, le clavardage, où vous pouvez où pouvez-vous poser une question, réagir à un propos, écrire un commentaire. C'est la petite bulle de texte en haut à droite. Donc, vous pouvez écrire à tout le monde pendant un atelier ou écrire en privé à quelqu'un. Et c'est là que remplir votre profil devient crucial. Le clavardage, c'est votre outil virtuel pour interagir pendant les ateliers. Et n'hésitez pas à y écrire vos pensées, vos idées, vos questions, vos suggestions. On veut vous lire. Finalement, la salle d'exposition est à votre disposition pour faire découvrir des initiatives en petite enfance. Donc, je vous invite à cliquer sur l'onglet « Salle d'exposition » en haut. Nos exposants sont les partenaires du Comité de gestion nationale en petite enfance et les sous-bénéficiaires du projet formation et renforcement des capacités des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Depuis 2020, la CUFC soutient leurs initiatives de formation initiale et continue en petite enfance, ainsi que leur projet qui mise sur le recrutement et la rétention du personnel par l'entremise de la formation. Vous y trouverez des ressources et de l'info utile sur ces projets. La salle d'exposition est ouverte en tout temps, c'est-à-dire même en dehors des heures de la programmation. Elle est jolie, la plateforme de l'événement aux couleurs du symposium. La CUFC remercie le Collège Boréal d'avoir monté cette plateforme spécialement conçue pour les besoins du symposium. Merci beaucoup. D'ailleurs, si jamais vous avez des pépins techniques, il suffit de cliquer sur le bouton « Appui technique » en bas à gauche de votre écran. L'équipe d'appui technique du Collège Boréal est disponible en tout temps pendant l'événement pour vous répondre. Je vous rappelle également que le guide du participant que vous avez reçu par courriel est aussi une bonne source d'information. Si vous êtes dans le doute, si vous ne l'avez pas reçu, il est disponible sur la page web du symposium dans le site de l'ACUFC à acufc.ca/petite-enfance. On arrive à nos ateliers dans quelques instants. Il ne me reste que deux messages à vous transmettre. Si vous avez des collègues qui veulent participer à l'événement, mais qui ne sont pas inscrits, ou si vous avez des collègues qui ne sont pas disponibles pour suivre les ateliers en direct, mais qui aimeraient regarder les ateliers en différé, pas de problème. Ils peuvent s'inscrire à tout moment en se rendant sur la page web du symposium acufc.ca/symposium-2022. Je le répète pour m'assurer que c'est bien noté, acufc.ca
Symposium Trait d'Union 2022. Deuxièmement, la CUFC vous encourage à rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, jeudi, nous lancerons un sondage sur votre appréciation de l'événement et on récompensera les plus rapides pour le remplir. Alors, on fera le tirage de cartes cadeaux parmi ceux qui auront rempli le sondage dans l'heure suivant la clôture du symposium. Ça se prend bien quand même en temps d'inflation, n'est-ce pas? Donc, surveillez le mot de clôture jeudi. Autrement, bien, commençons notre symposium avec une activité qui nous plonge au cœur de nos tout-petits et de leur imaginaire. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui a créé le parfait équilibre dans sa carrière depuis 25 ans entre ses trois passions, la gestion, la petite enfance et la francophonie. Je vous présente Martine Saint-Onge, directrice générale de l'Association francophone à l'éducation des services à l'enfance de l'Ontario, qui vous présentera avec son équipe l'histoire « Il était une fois la petite enfance ». À vous, Martine. Chers collègues et partenaires ayant un intérêt en petite enfance, bien le bonjour. Je suis honorée de faire partie de l'ouverture de ce deuxième symposium portant sur la reconnaissance et la valorisation de la petite enfance. Pour la prochaine demi-heure, je vous propose ma perspective de l'évolution de la petite enfance francophone des 20 dernières années et aussi une analyse du contexte actuel en petite enfance. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser une activité privilégiée en petite enfance. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il était une fois la petite enfance francophone. Mon histoire débute au tournant du présent siècle. Des communautés irréductibles de francophones partout au pays se sont saisies des tribunaux pour faire reconnaître, en vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, leurs droits de gestion par et pour les francophones de leurs institutions scolaires. À cette époque, tous les territoires du pays, ou presque, les uns après les autres, ont obtenu la reconnaissance de leur droit de mettre en place une structure scolaire gouvernée par les francophones et financée par les gouvernements provinciaux. Ceci non sans peine, souvent après plusieurs appels auprès de différents niveaux de tribunaux. Tranquillement, la petite enfance s'est frayé un chemin dans les priorités des conseils scolaires de langue française, étant la porte d'entrée de leurs futurs élèves. Ainsi, pour faciliter la vie des parents et pour appuyer la création d'un espace francophone multiservice, loger les services éducatifs de garde au sein même des écoles était une solution privilégiée dans les communautés. C'est dans ce contexte que la croissance des milieux éducatifs de garde d'enfants ayant un mandat francophone s'est amorcée. Voyons quelques jalons de ce parcours et du contexte actuel, en commençant par une conversation entre deux mamans en 2001. Je dois retourner au travail dans 3 mois. Nous aurons besoin d'une garderie pour notre petite princesse Jasmine. Je me demande s'il y a une garderie française proche d'ici qui accepte un enfant d'un an. Je crois que Madame Chose, au coin de Maine et de la First, garde les enfants dans le sous-sol de l'église. Oui, j'ai entendu dire que la gardienne est bien fine, mais je ne suis pas certaine du genre d'activités qui sont proposées. Et puis aussi, on m'a dit que Mme Chose parlait surtout en anglais aux enfants. Je veux que ma princesse apprenne le français. Je souhaite qu'elle aille à l'école en français. Après plusieurs recherches effectuées par la maman et le papa de Jasmine, ils ont trouvé une garderie qui se trouve dans l'école élémentaire Jean Bosco. Mais aucune place pour Poupon n'est disponible. D'ailleurs, il y a seulement des places pour les enfants d'âge préscolaire et à temps partiel. Ils prennent donc la décision d'inscrire Jasmine dans une garderie qui est située proche d'une école d'immersion. Est-ce que Jasmine fréquentera le système de langue française un jour? Histoire à suivre. Transportons-nous en 2010 dans le cadre d'une conversation entre deux mamans.
Je dois retourner au travail dans 3 mois. Nous aurons besoin d'une garderie pour notre petite princesse, Jasmine. Je me demande s'il y a une garderie proche d'ici dans une école de langue française qui accepte les enfants âgés d'un an. Je crois qu'il y a une garderie dans l'école élémentaire 80, mais elle est située à l'autre bout de la ville et je ne suis pas certaine qu'ils acceptent les enfants aussi jeunes. C'est vrai, maintenant que tu en parles. Madame Chose m'a même dit que les gardiennes parlaient la plupart du temps en français. Ça va préparer Jasmine pour l'école en français. Après avoir parlé avec la superviseure de la garderie, les parents de Jasmine ont réalisé qu'il n'y a aucune place pour les poupons. Le service commence seulement qu'à partir de 18 mois. Ils prennent donc la décision d'inscrire Jasmine dans une garderie en milieu familial, non licenciée, soi-disant francophone, mais qui, dans les faits, fonctionne plus en anglais pour accommoder les familles qui ne parlent pas le français. La gardienne les avise qu'elle n'a pas le choix pour combler toutes ses places. Est-ce que Jasmine fréquentera le système de langue française un jour? Histoire à suivre. Maintenant, rendons-nous en 2020, lors d'une conversation entre une maman et un papa. Je dois retourner au travail dans 3 mois. Nous aurons besoin d'un service de garde pour notre petite princesse Jasmine. Je me demande s'il y a un centre de garde proche d'ici, dans une école de langue française qui accepte les enfants âgés d'un an. Je sais qu'il y a des places pour poupons dans la garderie que fréquente notre fils Aladdin au sein de l'école élémentaire des 80. Mais honnêtement, pour l'instant, à cause de la pandémie, notre garderie est seulement disponible pour les travailleurs essentiels. Nous devons trouver une façon de continuer à travailler en ayant Aladdin, qui a 3 ans et demi, et Amina, qui a 6 ans, qui fait l'école à distance, dans la maison. Nous sommes épuisés. Maintenant que tu en parles, Mme Chose m'a même dit que les gardiennes elles-mêmes ne sont pas considérées comme des travailleurs essentiels. Donc, en plus du personnel malade, certaines ne peuvent pas travailler à la garderie parce qu'elles doivent s'occuper de leur propre enfant à la maison. Je suis inquiète pour Jasmine. À la maison, nous parlons seulement en anglais pour que son papa, qui parle chinois et moi en français, nous puissions nous comprendre. Comment sera-t-elle prête pour sa rentrée scolaire en français? Comment apprendra-t-elle à jouer avec les autres? Comment je vais faire pour m'occuper d'elle tout en travaillant? Comment allons-nous y arriver? Je ne sais pas, mais ça ne peut plus continuer trop longtemps. Soit que nous allons nous épuiser, soit que nous allons perdre notre travail. Surtout que depuis quelques mois, parfois le centre est ouvert. Parfois il est ouvert pour les travailleurs essentiels. Et parfois il est ouvert à ratio réduit pour respecter les règles sanitaires. On ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que Jasmine fréquentera le système de langue française un jour? Si oui, sera-t-elle prête à apprendre en français? Histoire à suivre. Est-ce que la petite enfance a beaucoup évolué, changé à travers le temps? Qu'est-ce qui n'a pas beaucoup évolué? Qu'est-ce qui a beaucoup changé? À vous d'identifier ces éléments à travers ces différents contes. Revenons maintenant en 2022, lors d'une conversation entre un papa et une maman. Je dois retourner au travail dans 3 mois. Nous aurons besoin de faire garder notre petite princesse Jasmine. Je me demande s'il y a une garderie proche d'ici, dans une école de langue française, qui accepte les enfants âgés d'un an. Je sais qu'il y a des places pour les poupons dans le centre que fréquente notre fils Aladdin. Mais il me semble que je n'ai pas vu d'enfant aussi jeune fréquenter le centre depuis un bout. Il faudrait que tu t'informes. Je suis un peu inquiète parce que Mme Chose m'a dit que plusieurs gardiennes ont quitté les centres éducatifs et même les garderies parce que les conditions de travail sont insoutenables. Ah oui? Où vont-elles? Il semblerait que certaines obtiennent de meilleures conditions de travail dans le système scolaire et d'autres retournent aux études dans un autre domaine. Il faudrait que tu passes au centre pour rencontrer la superviseure pour connaître les options disponibles pour Jasmine. Parfait, je passerai au centre dans les prochains jours. Quelques jours plus tard, au centre éducatif, maman est dans le bureau de la superviseure. Bonjour, je cherche une garderie pour ma princesse Jasmine. Je retourne au travail dans 3 mois. Elle aura 1 an. Est-ce que vous avez des places disponibles? Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de place disponible pour les poupons. Nous allons inscrire Jasmine sur une liste d'attente et dès qu'il y aura une place de disponible pour elle, nous vous rappellerons. Aussi, dès qu'elle aura atteint 15 mois, il y aura peut-être une possibilité d'une place dans les bambins. J'ai entendu dire qu'il manquait de gardiennes dans les garderies. Est-ce que c'est la raison qui fait qu'il n'y a pas de place pour Jasmine?
Effectivement, il y a une pénurie de personnel éducateur qui fait que nous ne pouvons pas offrir des places pour les poupons. OK, merci. Je vous enverrai la paperasse remplie dans les prochains jours pour inscrire Jasmine sur la liste d'attente. Une fois la maman sortie, une conversation a lieu dans la salle du personnel entre deux membres du personnel éducateur. Avez-vous entendu la maman parler de gardienne? Ouais, des fois j'ai l'impression que nous sommes perçus comme Cendrillon. Tu sais, parfois quand les parents nous laissent les enfants sans rien dire, parfois même on a l'impression qu'ils sont trop pressés pour nous parler. Ou s'ils parlent, c'est pour nous dire qu'il n'a pas déjeuné ou que sa couche est pleine. Il manque, dans ton histoire, la bonne fée marraine. La citrouille qui se transforme en carrosse, le prince charmant et le soulier de verre. Toute la magie, en fait. C'est vrai que ça manque un peu de magie. Selon vous, quelle pourrait être la magie? En fait, la magie, ce serait qu'un bon matin, les parents, la société en général, reconnaissent notre travail lié au développement de l'enfant. Cette chaussure nous irait parfaitement et nous pourrions vivre heureux. Tu as raison, mais il faudrait aussi que tous les membres du personnel éducateur puissent être des ambassadeurs de leur profession et de présenter une image professionnelle en partageant le développement de l'enfant aux parents. Pas juste le nombre de couches changées et le nombre de minutes de la sieste. Oh, une campagne de valorisation est absolument nécessaire pour faire changer la perception autant des parents que de la société en général. Si on revient à la maman de tantôt, elle parlait de gardienne, comme s'il n'y avait que des femmes dans notre profession. C'est comme l'histoire de Blanc-Neige à l'inverse. Il était une fois Blanc-Neige, qui vivait avec sept naines qui, chaque jour, se rendaient au travail pour s'occuper de jeunes enfants. Un jour, que toutes les naines étaient occupées avec des enfants pendant la sieste, un parent offrit à Blanc-Neige une pomme empoisonnée de jugements, tels que « les hommes ne peuvent pas s'occuper de jeunes enfants, surtout pas de changer des couches » ou « les hommes sont des pédophiles ». Blanc-Neige s'endormit. Il faudrait une princesse charmante pour le réveiller. Selon vous, qui serait la princesse charmante? En fait, dans notre histoire, il faudrait plusieurs princes charmants, éducateurs et princesses éducatrices en petite enfance qui charment tous ceux et celles qui ont ces préjugés à l'égard des hommes dans notre profession. Je crois qu'il serait important de créer un message commun à faire passer partout dans la société et, plus spécifiquement, aux familles qui fréquentent les services éducatifs de garde d'enfants, pour rendre visibles les tabous et en parler. Non pas pour juger, mais pour souligner l'importance des hommes dans l'éducation des jeunes enfants, autant en service éducatif qu'au sein des familles. En plus, s'il y a plus d'hommes éducateurs, peut-être que ça pourrait aider à notre manque de personnel éducateur. Ouais, j'ai entendu dire hier, à la formation où je suis allé, que plusieurs personnes issues de l'immigration seraient intéressées à venir travailler en petite enfance. Je me demande comment nous allons faire pour les accueillir, pour qu'elles comprennent toutes nos politiques et procédures. Sans compter comment appliquer notre cadre pédagogique. Bonne chance. Nous-mêmes, on a de la difficulté à intégrer tout ça. Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard. Comment ça? Il n'y a personne de vilain? Ben non, c'est certain qu'il n'y a personne de vilain. Imagine ça. Il était une fois une éducatrice très différente des autres. Autant son physique que ses compétences étaient différentes des autres éducatrices de l'équipe. Elle peinait à s'intégrer tellement elle se sentait différente. Parfois, elle avait l'impression de ne pas appartenir à ce groupe. La superviseure du centre où elle travaillait essayait de l'aider à développer un sens d'appartenance à l'équipe, lui proposer de l'accompagner. Elle était déterminée à tout faire en son pouvoir pour retenir cette nouvelle employée un peu différente. Un jour, lors d'une formation à l'extérieur du centre, cette éducatrice différente réalisa qu'il y avait d'autres éducatrices semblables à elle au sein de d'autres centres, ce qui lui permit de créer de nouvelles relations pour l'aider à s'intégrer dans son nouveau pays en petite enfance francophone. La morale de cette histoire, chaque éducatrice ou éducateur en petite enfance est unique et peut contribuer à sa manière dans le développement des enfants si on met à sa disposition un environnement et un réseau qui soutiennent leur apprentissage et leur intégration. Dans le fond, c'est exactement la même chose avec les enfants que l'on accompagne. Chaque enfant est unique. J'espère juste qu'il y aura du temps et des formations pour bien accueillir et faciliter l'intégration professionnelle de cette nouvelle main-d'œuvre.
La situation présente est tellement tough. C'est difficile pour le personnel qui arrive, d'ailleurs. C'est aussi difficile pour le personnel qui est resté après la pandémie. Nous étions déjà fatigués à soutenir les services pendant la pandémie. Mais depuis le retour à un semblant de normal, nous ne pouvons pas prendre de temps off ou aller en formation parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Ça me fait penser à l'histoire des trois petits cochons. Il était une fois trois éducateurs et éducatrices de la petite enfance qui accompagnaient un groupe de 15 bambins. Un matin, en arrivant dans la salle, l'éducateur annonça qu'une pandémie avait été déclarée et qu'ils seraient confinés à partir du lendemain. Tout s'écroula, les repères disparaissèrent. C'est stressant, mais ça ne sera pas pour longtemps, qu'ils se sont dit, et nous serons à l'abri à la maison. Après quelques semaines de confinement, il fut annoncé que seuls les services essentiels seraient ouverts, mais avec des règles très strictes. Les centres éducatifs firent partie de ces services essentiels. Le personnel éducateur fut appelé à retourner au travail. Beaucoup de stress. Vais-je attraper ce virus? Si oui, vais-je mourir? Si je retourne travailler, qui va s'occuper de mes enfants? Ceux qui restèrent à la maison en virtuel et ceux qui fréquentèrent le centre éducatif, est-ce qu'ils seront considérés comme des enfants de travailleurs essentiels? Est-ce que je devrais porter un masque, une visière et des gants pour travailler? L'équipe s'encourageait, mit en place toutes les consignes. Vidèrent les salles de matériel d'apprentissage pouvant facilement transmettre le virus, portèrent leur matériel de protection, nettoyèrent tout ce qu'elles purent. Certains membres de l'équipe accompagnèrent les enfants d'âge scolaire à l'école virtuelle. Les jours passèrent. Les collègues sont tombés malades, certains des parents aussi. Les grands-parents sont décédés. Les repères s'effacèrent. On oublia la normale. On a eu peur. Mais un jour, le vaccin tant attendu arriva. On a pu respirer. On s'est dit qu'à ce moment, tout n'était qu'une question de temps avant que la normale revienne. Les jours passèrent. Les collègues, les membres de la famille, les enfants, les parents continuèrent d'être malades. Les consignes continuèrent à changer à toutes les semaines. Les enfants continuèrent l'école virtuelle. Malgré tout, le personnel éducateur et de gestion tinrent le coup. Quand la santé allait, ils accueillaient et accompagnaient les enfants jour après jour, jusqu'à ce qu'un variant du virus se pointe le bout du nez. Après plusieurs vagues de variants, des services de garde d'urgence, de règles qui changeaient, plusieurs membres du personnel sont partis découragés. Où est la maison de briques pour offrir des moments de bien-être au personnel éducateur qui a porté à bout de bras l'économie pour reconnaître le travail acharné dans des conditions difficiles qui les mettaient en danger? Ton histoire est un peu décourageante, mais racontée comme ça, ça donne une autre perspective. Une chance que nous étions trois petits cochons. Sans toute l'équipe pour nous encourager, nous n'aurions pas survécu à toute cette situation. Avoue que nous sommes fatigués. Mais nous ne pouvons jamais prendre congé, ni aller à de la formation pour aider à se remettre de toute cette situation. Il manque toujours du personnel. En parlant de formation, ça me fait penser que la dernière fois, j'ai été à une formation en français qui portait sur la construction identitaire. C'était intéressant, mais difficile parfois. Pourquoi difficile? C'était en français. Tu parles français. Oui, mais parfois, je ne me sens pas compétent en français. J'aime mieux parler en anglais. Je comprends. Mais si on ne pratique pas en français des mots liés à la pédagogie, ça va être difficile d'en parler en français avec les parents, non? Tu as raison. Mais les parents ne parlent pas tous français. Et parfois, ils sont frustrés quand on leur parle en français. Je crois que, par les temps qui courent, les parents sont frustrés pour plusieurs raisons. Et parfois, ils ont raison. Pourquoi tu dis ça? Parce que présentement, il y a plusieurs parents sur nos listes d'attente. Puisqu'il en coûte moins cher pour une place, grâce aux ententes de financement fédéral-provincial, mais nous ne pouvons pas leur offrir le service. Nous pouvons juste créer de nouvelles places. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de financements pour ça. Des nouvelles places? Avec quel personnel? On ne peut même pas combler celles qu'on a déjà, tant que les centres en français ne viennent pas à embaucher du personnel qui parle anglais. Tu as raison. Ce serait le début de la fin pour la francophonie. En plus, il semble y avoir du financement pour toutes sortes de projets présentement. Une chatte aurait de la difficulté à retrouver ses chatons à travers tous ces enjeux et besoins du secteur. En fait,
Ça me fait un peu penser à l'histoire des 101 Dalmatiens. Il était une fois 101 partenaires, ayant un intérêt en petite enfance. Tous aussi importants les uns que les autres, chacun avec un mandat et une expertise unique au service de la petite enfance. Le réseau de l'économie pour la création de places et l'employabilité, le réseau de l'éducation postsecondaire pour la formation certifiée et continue, le réseau de la santé pour le bien-être du personnel éducateur, de l'enfant et de leur famille, le réseau scolaire pour la formation scolaire, le réseau gouvernemental pour le financement, la législation et les politiques publiques, le réseau communautaire et culturel pour la pérennité et la vitalité de la francophonie, le réseau de l'immigration pour l'appui au recrutement et à l'intégration sociale, le réseau des services à l'enfance pour l'offre de services à l'enfance. Un jour, du financement pour la petite enfance arriva dans les coffres de quelques-uns de ses partenaires. Mais la cruelle réalité fut que ce financement arriva avec beaucoup d'exigences administratives, parce que les processus et les structures en place ne favorisaient pas toujours le par, pour et avec la petite enfance francophone. Mais les 101 partenaires ont travaillé d'arrache-pied, ensemble, pour trouver des façons de respecter les cycles de demande et de reddition de comptes. Aussi, pour s'assurer que la petite enfance puisse faire des demandes pour son réseau, le réseau de parents, qui sait ce qui est bien pour leur petit, met toutes ses ressources à la disposition du réseau de la petite enfance francophone pour les appuyer à écrire des demandes qui visaient à outiller leur secteur. Demande après demande, rapport après rapport, le réseau a obtenu des fonds de la part des partenaires pour répondre aux besoins de la petite enfance. Le travail de collaboration entre les partenaires a permis la mise en œuvre de plusieurs initiatives visant l'appui au secteur de la petite enfance. Dans ton histoire, c'est quoi les initiatives qui sont destinées à la petite enfance? Tes questions sont pas mal compliquées. Il y en a plusieurs. On change de sujet. Je te rappelle que c'est ton histoire. Mais il faut dire qu'au final, même si ce n'est pas facile, la petite enfance a beaucoup évolué depuis quelques années. Il faudrait documenter pour se rappeler tout ce qui a changé et tout ce qui est en cours présentement. C'est à mon tour de faire un parallèle avec ton compte. Le petit pousset, tu sais, celui qui a laissé des traces sur son chemin pour qu'on le retrouve. Il était une fois un réseau de la petite enfance qui, pour ne pas perdre la raison d'être de son travail, laissa sur son chemin des données probantes démontrant ses apprentissages et ses réussites. Une pierre représentant le cadre légal, une pierre représentant le cadre pédagogique, une pierre représentant le financement, une pierre représentant les nouvelles pratiques de recrutement, rétention et valorisation, une autre représentant les formations initiales et continues, une pierre représentant les outils de gestion, une pierre représentant la diversité et l'inclusion, une pierre représentant les meilleures conditions de travail et une pierre représentant la santé mentale et le bien-être. Les pierres laissées permettent de toujours revenir à la maison, soit aux raisons pour lesquelles nous continuons à investir temps, ressources et énergie pour répondre aux besoins de l'apprentissage des enfants qui sont accompagnés par du personnel éducateur, qui œuvrent au sein de services éducatifs à l'enfance francophone et qui ont pour objectif l'épanouissement de tous les enfants afin qu'ils deviennent des citoyens adultes bien dans leur peau, responsables et engagés dans leur francophonie. Oh, c'est une belle histoire, mais il en reste encore beaucoup à faire si l'on veut se rendre à un système de la petite enfance par, pour et avec la petite enfance francophone. Tu as bien raison. C'est l'heure de notre rencontre d'équipe. Allons-y. La morale de cette histoire, la seule magie que nous retrouvons à petite enfance présentement, ce sont les jeunes enfants qui ont le privilège d'avoir une place dans nos centres éducatifs francophones, qui apprennent et construisent leur identité linguistique et culturelle francophone en jouant. Malgré du financement annoncé, la magie est difficile à trouver pour ceux et celles qui œuvrent directement à petite enfance. En espérant qu'ensemble, nous puissions répondre aux besoins du secteur, par, pour et avec le secteur. Kirikiki, mon histoire est finie. Est-ce que mon histoire
vous a rappelé certaines histoires de votre enfance? Je peux vous dire que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les revisiter. La petite enfance dans notre société est souvent prise pour acquis. Les professionnels qui y œuvrent ne sont pas reconnus toujours. Permettez-moi de reconnaître et de souligner le travail exceptionnel des professionnels en petite enfance qui ont rendu vivante l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, donc je vais les nommer Caroline Berniquet, qui est éducatrice de la petite enfance, qui est facilitatrice pédagogique au sein de la FECO et qui a fait les voix des mamans dans l'histoire. Merci, Caroline. Manon Anctil, éducatrice de la petite enfance, coordonnatrice du développement professionnel au sein de la FECO, qui a fait les voix des mamans. Merci, Manon. Olivia Lismont, éducatrice de la petite enfance, facilitatrice pédagogique au sein de la FECO, qui a fait la voix de l'éducatrice. Merci, Olivia. Laurent Wary, éducateur de la petite enfance, facilitateur pédagogique au sein de la FECO, qui a fait les voix des papas et de l'éducateur. Merci, Laurent. Mélanie Couturier, coordonnatrice de formation au sein de la FECO, éducatrice de la petite enfance, qui a fait les voix des mamans et qui a coordonné le projet. Merci, Mélanie. Et finalement, Camille Scarro, éducatrice de la petite enfance, qui est conceptrice et facilitatrice au sein de la FECO et qui a été la conceptrice visuelle et l'illustratrice du conte. Merci, Camille. Pour terminer, je vais vous citer Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Faisons différent, soyons innovants, par, pour et surtout avec la petite enfance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Saint-Onge, pour cette traversée des petites et grandes histoires. Qui donne une perspective à la fois sur les avancées et les défis qui demeurent. J'avoue même avoir eu quelques frissons à la mention de liste d'attente pour des places en garderie francophone. Pour ma part, le conte de mon enfance, c'est auquel je pense. Pas tout à fait un conte, mais c'est un peu la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. Bref, et la recherche du fameux formulaire A38, c'est-à-dire cette place pour mon enfant. J'aimerais également souligner qu'on a eu des échos qui avaient eu quelques problèmes techniques, on en est conscient. Il y a des gens présentement au moment où on se parle qui travaillent très fort pour régler la situation. On a confiance que ça va arriver plutôt qu'à tard, si ce n'est déjà fait au moment où je vous le dis. Mais sachez-le, on est très au fait de la situation et on tente de régler le tout le plus rapidement possible. Si ce n'est déjà fait, comme je l'ai déjà mentionné, au risque de me répéter. Alors voilà, chers participantes et participants, les ateliers d'aujourd'hui vont porter sur la valorisation de la profession en petite enfance. Comme nous l'avons vu en ouverture du symposium, chaque atelier va débuter par une courte vidéo. Ces vidéos présenteront des citations d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance en lien avec la thématique de l'atelier. Nous avons recueilli des citations au cours des dernières semaines par l'entremise d'un sondage et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'y répondre. C'est super apprécié. Branchez-vous donc quelques minutes à l'avance pour ne rien manquer et voir ce contenu spécialement préparé pour offrir des mises en contexte aux ateliers. Après les ateliers, qui durent environ une cinquantaine de minutes, vous pouvez participer à la pause réseautage avec les exposants en cliquant sur l'horaire et le bouton « Participer ». Soyez curieux. Profitez de ce temps pour visiter les kiosques, faire des nouvelles connaissances ou encore même retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis, dans certains cas, j'imagine, trop longtemps. C'est le temps de l'essayer, cette pause réseautage et la visite des kiosques virtuels débute à l'instant. Donc, je vous donne rendez-vous ensuite pour le tout premier atelier, reconnaître l'expertise unique des professionnels de la petite enfance en contexte francophone minoritaire, avec les panélistes Maria Ivanova des garderies Petit Bateau, Geneviève Ouellet de la Fédération des parents de l'île du Prince-Édouard, Isabelle Thibault du Collège Éducacentre. De mon côté, je vous retrouverai ici et là, d'ici jeudi, et je vous souhaite donc un bon après-midi d'échange et de découverte. Merci beaucoup. Bons ateliers.